Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? On peut mieux faire. Mais c'est quand même pratique d'avoir une machine à café dans l'hôtel. Je me suis arrêté dans le restaurant de mon hôtel pour prendre mon petit déjeuner avant de partir. J'ai besoin de prendre des forces car j'ai une ascension qui m'attend. Et oui, je vous ai donné un indice. Je vais rouler un petit peu, une demi-heure je pense, pour me rendre au nord de Nakhon Sawan, car je suis passé devant quelque chose quand je suis venu ici il y a quelques jours qui m'a interpellé sur la route. Ouais, ouais. Je suis passé devant, je me suis dit « Waouh, faut que j'aille voir ça ». Bon, j'ai été naïf, je pensais que c'était du vrai café. Et non. Le classique American Breakfast. Waouh! Vous avez vu ça? Oh là là, c'est mortel! C'est ça que j'ai vu sur la route quand je suis venu de Kampeng Phet. Cette magnifique montagne là, tout est plat et on a cette montagne là qui sort de terre, c'est magnifique! Waouh! Oh là là! Alors si c'est vraiment le chemin qui mène à l'escalier, il n'y a rien d'indiqué. Hein. Oh punaise, ça va être chaud, hein, ça monte à pic. Ah oh, puis alors moi qui ai le vertige, oh là là là, j'ose à peine imaginer. Bon, ben, ça n'a pas l'air d'être ici. Merde alors, il est où cet escalier, bon sang? Bon bah ben, c'est pas par là, hein. Je suis arrivé au bout. Alors, demi-tour. En mode cross là. Voilà. On va voir si c'est pas par là. On va demander. Ça va des caps? Des caps. I want to go here. Is it possible to climb? 1 kilometer. 1 kilometer? Yeah. Here? Yes. And on the... Ok. Kopun Kap? Kapun. Ah là, je suis pas au bon endroit. Bon, eh ben, je suis passé devant l'entrée sans m'en rendre compte. C'est pas très bien indiqué quand même. Hein. Ah ouais, il y en a vraiment un paquet ici. Hein. Salut les gars, ça va? Ça doit être sur la gauche là. Ah ouais, bah. Avant toute chose, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller acheter une bouteille d'eau là-bas. Parce que évidemment, ben, j'ai rien pris à boire. Et là, je sais pas si vous voyez, le drapeau, il est là-haut. Bon, c'est pas si haut que ça quand même. Hein. Mais ça a l'air d'être à pic par contre. Hein. Et une bonne partie va se faire dans la végétation.
Ah, il y a vraiment un paquet de singes ici, hein. Ah, peut-être que je me trouve un bâton pour l'ascension quand même, hein. Ça va des caps ? Nam ? Nam ? Ça va des caps ? Ok, copain cap. Thank you. Thank you. Bye bye. En tout cas, je ne mourrai pas de soif. Je mourrai peut-être attaqué par les singes, mais pas de soif. Bon, on va essayer de se trouver un bâton. Car vous le savez, j'aime bien voir les singes, mais je ne suis pas naïf, hein. Je sais qu'il faut leur foutre la paix, et je demande la même chose en retour. Par contre, je vais filmer avec la GoPro, hein, parce que là, ça va être compliqué, le stabilisateur pour l'ascension. Alors, il y en a un ici. Bon, il est pas terrible, hein. Mais, ouais. En attendant que je trouve mieux, vous ne passerez pas. Oh là là, je vais avoir chaud. Moi, je vous le dis, hein. Vous avez vu comment il fait beau? Un temps magnifique et une forte chaleur. Putain, j'ai même pas commencé à monter, j'ai déjà chaud. Bon. J'ai l'air ridicule, moi, avec mon gros bâton. Je peux pas le péter un peu, ça? Voilà. Un peu mieux. Yes. Initialement, je comptais venir ici hier, et puis finalement, hier, j'ai rien fait. C'était assez couvert, et je voulais vraiment venir ici avec un ciel dégagé. Et aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Nakhon-Sawan, et j'ai de la chance, vous voyez, le ciel est parfaitement bleu. C'est parti pour l'ascension de la Kaono ou Kaonor. Les deux orthographes existent. Vous avez pu le voir, c'est une montagne assez particulière car on est sur une plaine. Et puis quand on arrive ici, bah on a cette montagne en deux parties là qui sort de terre tout droit. Elvis, t'emballe pas. Oh, ça va être dur. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une ascension, hein. Ah ouais, ça me manquait un peu quand même. C'est pas la meilleure heure, hein, quand même, pour commencer à grimper. Il doit être pas loin de 11h. Je suis arrivé au pire moment de la journée. Ouh. Allez, c'est l'heure de la pause. Ah. Allez. Ça, c'est les pires escaliers, ceux qui sont comme ça, là. Tout droit. On a l'impression qu'on n'avance pas. Eh oui, c'est déjà l'heure de la deuxième pause. Ouais, j'aurais dû prendre deux bouteilles. Oh là là! Ah punaise, il est raide celui-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de singes dans la montagne. Ils sont tous descendus en bas pour aller manger. Il y a quand même un truc qui est bien, c'est qu'ils ont mis plein de bancs le long de l'escalier. Et honnêtement, à chaque fois que j'en vois un, je m'arrête, hein. Oh là là! Quelle chaleur! Ah oui. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu chaud comme ça ici, hein. Ouh. À vue de nez, je dirais que j'ai fait à peu près la moitié du trajet. Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit la moitié la plus facile. J'ai un peu peur de ce qui m'attend dès qu'on sera sorti de la forêt, là. Allez, là, je suis dans le dur. Ah, oh, putain, qu'il fait chaud. Ah, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Ah ouais, ça se complique, là, après. Oh. Ah. J'ai discuté un peu avec le jeune homme qui était en train de descendre, qui parlait bien l'anglais, jeune et parlant bien l'anglais, super. Ah, ça fait plaisir. Il m'a dit que j'avais fait à peu près la moitié du chemin, ce dont je me doutais, et qu'il y avait certaines parties d'escalade là, un peu plus loin. On va y aller, on va voir de quoi il s'agit exactement, mais vous savez, j'ai le vertige, et si je le sens pas, je ferai demi-tour, hein, ça c'est clair. Bon, du coup, je vais remettre la GoPro sur le harnais, parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Les choses sérieuses commencent maintenant. Ouais, les rochers sont assez glissants là quand même, hein. Ouais, ça glisse bien, hein. Alors j'imagine quand c'est mouillé, ça doit être absolument terrible.
Bien, je crois que je vais devoir laisser mon bâton ici. Allez, on y va. Oh. Ah ouais. Bon, on n'est pas sur une échelle, mais on n'est pas sur un escalier quand même. Hein. Et on est quand même plus proche d'une échelle que d'un escalier. Ouh. Ah. Holy shit! Ah, je vois des gens là-haut. À la hauteur des barreaux des échelles là. Oh punaise! En plus, ça penche sur le côté. Oh là 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 là. Celui-là, il n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Si vous n'avez pas une condition physique au moins convenable, ça risque d'être très difficile pour vous. Bon, je préfère pas trop me poser la question du retour parce que là, honnêtement, ça va être compliqué. Allez, on va s'asseoir. C'est solide, ça. Oh, punaise. Ah, l'eau, boisson divine. Moi, il va au-delà. Moi, moi. Regarde. Allez, cap. Putain, la fille, elle a quand même fait l'ascension en tongs. Oh, on commence à être haut là. Oh là là. Ah, je pense que je suis presque arrivé là. Oh punaise. Je suis pas un grand sportif, hein, mais là je peux quand même vous assurer que c'est assez physique. Hein. J'y suis presque. C'est là. Vous voyez, c'est juste là. Hello. Hello. Ça va les caps? Ça va les caps. Do you want to sit? No. No, it's okay. Okay. Not easy. Very steep, very. Follow, follow me, follow yes. Me. Okay. Oh, let's go. Where are you from? I'm from France. France? Paris. Ooh. Ooh la la. Ouh. Ouh. Ah ouais. You know, I've got the fear of height. Come down, come down. So beautiful. Yeah. Wow. The body, the body. Yeah. Ooh la 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 la. Ça y est, on y est presque. Thank you. You're welcome. Wow. Oh là là. Wow. Ça y est. We did it. Yes. We did it. Ça y est, me voici arrivé en haut de la montagne. Ce fut légèrement difficile, surtout la dernière partie. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez le vertige, ça va pas vous plaire. Enfin, c'est un sentiment mitigé parce que c'est magnifique et puis en même temps, il y a cette peur qui revient là, et qui vous serre les tripes. Je vais vous filmer un petit peu ce qu'on peut voir d'ici. Vous allez voir, ça vaut le coup de monter.
Franchement, c'est absolument magnifique. Le jeu envoie la chandelle largement. Quand je suis monté, le jeune homme que j'ai croisé dans les escaliers m'a dit « Il faut faire sonner les cloches. » Alors, je vais faire sonner les cloches. On va faire le tour de toutes les cloches. Il y en a beaucoup, là. Mission accomplie. Oh là là, mon Dieu. Je vais attaquer la partie la plus compliquée maintenant, la descente. Oh là là. Bon, j'ai quand même l'impression que mon vertige, ça va mieux. Hein. Plus je monte, et mieux ça va. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de miracle, hein, à part se confronter à sa phobie, petit à petit, pour arriver à s'en détacher. Voilà, quand même, c'est le vide. Hein. Ah, si je glisse et je passe sous la barrière, il n'y a plus d'Elvis. Hein. Ah, c'est dommage que ce soit brumeux à l'horizon, là. Oh là là, oh là 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 là, ça bouge. Ah ouais, c'est juste posé, en fait. Hein. Le seul truc qui vous sépare du vide, c'est ça. Et ça, là, c'est juste posé sur la pierre. C'est-à-dire qu'ils ont légèrement creusé la pierre pour que ça reste dedans. Mais c'est pas... non, c'est pas fixé, quoi. Allez. Ah. Oh punaise. Ah ouais, là quand je regarde à droite. Ah ouais, c'est haut, hein. Oh putain. Oh là là. Ah, c'est absolument magnifique, hein. Dernier coup d'œil. Et puis on entame la descente. Je vais bien me sécher les mains avant. On va y aller dans ce sens. Hein. Oh putain, faut pas que je regarde à gauche. Hein. Non, non, faut pas que je regarde. Pas trop, quoi. Ouh. Allez. On y va doucement. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout ça, c'est dans la tête. Ah oh, putain. Ok. Oh. Une chose est sûre, je n'emmènerai pas n'importe qui ici. Hein. Par exemple, j'emmènerai pas ma maman ici. Bien qu'elle soit en très bonne forme, je l'emmènerai pas ici. Ça c'est sûr. Oh là là. Est-ce qu'il y a personne qui monte là? Ah, puis j'ai mes lunettes qui glissent en plus. Ça, c'est pas cool du tout. Ouais, bah si, on est sur une échelle là. Tout à l'heure, je disais qu'on était entre l'escalier et l'échelle. Non, non, là, on est vraiment sur une échelle. Oh, punaise. Satané lunettes, restez en place, bon sang. Ah, putain, comment ça glisse. Il y a mon pote qui m'a encouragé à la toute fin. On va pouvoir faire la descente ensemble. Cool. Faut que je la rattrape. Ah oh, putain, ça penche à droite là. Oh là là, c'est horrible la sensation. Oh, tout est de guingois. Ah oh, putain. Oh, puis les marches, elles sont vachement hautes. Et mon sac à dos qui tient pas. Oh, c'est le bordel. Ah, je vous jure, elles sont vachement hautes là, les marches. Enfin, les marches. Les barreaux. Ok. YouTuber. Yes. Yes, you're right. YouTuber. Yes. Shit. Yes, look. What's your name, Chanel?
Where are you from? You are from Nakhon Sawan? Yeah. Yes, from here. From okay. Here. But bad place. I want to go to America, Japan, this place, Thailand. Good thing, how well? The bad thing, place, Tini. Ah, okay. Ah, that's interesting. You know? The king. King. King, king. And queen. Yes, king. Yes, yes. You like king, queen? I don't do politics. It's not my business, you see. Yes. I can speak about French politics and everything about king in France. You know, in France, we cut the neck of our king many years ago. We don't like too much monarchy, you know. Yep. Hello, Sawadikap. 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 Qu'est-ce que j'ai chaud, punaise. Ah, je suis absolument trempé. Trempé de sueur, c'est horrible. Ça y est, j'en vois enfin le bout. Bon bah j'arrive à temps. Hein. Mon genou commence à se réveiller gentiment, mais sûrement. C'était très sympa de pouvoir discuter avec un jeune étudiant en sciences environnementales. Il a essayé d'orienter la conversation sur des sujets politiques. Alors je sais que ce sont des sujets extrêmement glissants ici, donc j'ai préféré m'abstenir de dire quoi que ce soit. Je lui ai dit que je connaissais pas suffisamment la politique thaï pour donner mon avis, ce qui est le cas de toute façon. Il m'a demandé si mon avis sur la monarchie, alors là, surtout, ne se prononce pas, joker. Tout ce que j'ai pu lui dire, c'est que nous, en France, les rois, on les a décapités. Voilà. Et ça l'a fait marrer. Alors après, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, c'était vraiment super. Hein. J'ai kiffé, mais alors ça m'a rincé. Hein. Oh, c'est pas évident. Hein. Oh, je suis mort. Alors les singes, vous avez essayé de me tirer ma mob? Eh oui, quand je suis arrivé, ils étaient dessus, là. Ils étaient en train de farfouiller. Oh, c'est pas bien, ça. Salut, Pépère. Regardez, il est tout petit, lui. Ça va? Bon, je vais retourner voir ma mamie juste là-bas. Je vais aller lui acheter à boire parce que là... Ah, là, j'ai trop soif, hein. Ah, ils ont foutu plein de merde partout, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la moto? Non, j'y crois pas, regardez. Regardez ça. À mon avis, ça s'est pas décollé tout seul, ça. Hein. Il va falloir que j'aille acheter de la super glue. Fuck. Ils ont cherché à l'arracher. Putain, j'espère qu'ils ont rien pété. Hein. Ils ont dégueulassé le casque aussi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils m'ont tout dégueulassé. Eh, c'est pas cool, les gars. Hein. Putain, les mecs. Déconnez, hein. Hello. Something to drink? Nam. Yes. Ah no, nam. Nam. Yes, better. Thank you. Hello. Yeah. Kapunta. Kapunkap. Thank you. Why? Beautiful. Very nice. C'est horrible comme je suis poisseux. Oh là là. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis complètement rincé? Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Ouais, je suis mort. Hein. Normalement, les prochains endroits que je vais visiter devraient être beaucoup plus calmes et reposants que celui que j'ai fait juste avant. Hein. Vous voyez ces drapeaux là? Alors ça, c'est le drapeau thaï. Et ça, c'est le drapeau, alors quoi, de la monarchie, de la religion, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Et quand vous voyez ces drapeaux, ça veut dire que vous approchez d'un temple. Oh là, il y a plein de monde. Oh là là. Me voici arrivé au Wat Si Utum Pon. Oui, c'est ça, Wat Si Utum Pon. Oh, c'est extrêmement bruyant, il y a plein de monde. On est dimanche. Voilà. Ça va être compliqué pour moi de vous filmer le temple. Je vais faire mon possible, mais je ne garantis rien. Hein. Oh là là.
ต่อไป24นะ22ไม่ได้แจ้งยอด24นะครับข้ามไป24ลงเวลาแรกตำแหน่งเพชรก่อนเลยตามตัวสอนแม่แจ๋วเด็กยุทธาหาผู้หาคนก้อยหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทแล้วรัฐบาลจะไปแค่77,700 บาทคุณแม่ธานีรับสามเจ็ดคุณแม่ธานีไป389 บาทมันจะมีคนลงมาพักอยู่ตอนแรกเก่านะตอนที่จบมันตรงนั้นเขารออยู่ได้อยู่แล้วอาสามที่พง Comme vous vous en doutez, je n'ai absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer. Je sais juste qu'il y a plein de monde, il y a une espèce d'effervescence là, mais j'en sais pas plus. Il est vraiment magnifique ce temple. Hein. Oh là là. Vous avez vu ce couteau géant? J'avais jamais vu ça encore. La maison en bois derrière moi est magnifique. Hein. Oh là là là. C'est sculpté, ouvragé. Enfin, franchement, je vais aller voir le temple principal qui se trouve juste derrière moi. C'est très très compliqué pour moi de vous filmer ça. Hein. Comme je n'aime pas du tout déranger les gens, j'attends l'opportunité pour pouvoir filmer un petit peu. Mais il y a beaucoup de monde là, aujourd'hui c'est... c'est très compliqué. Ce temple aurait vraiment mérité que je passe plus de temps à le visiter et à le filmer, mais malheureusement, voilà, je suis tombé au mauvais moment. Enfin, mauvais moment. C'est sympa aussi de temps en temps d'arriver dans un temple comme ça où il y a plein d'effervescence, ça change. Puis ça montre un petit peu ce que c'est quand les Thaïs vont au temple, quoi. Ça rigole pas, hein. Ça fait pas semblant. Voilà. Écoutez. C'est beaucoup plus calme ici, hein, n'est-ce pas? Je viens d'arriver au Wat Tep Nimit Tsongtam. Un temple aux ambitions beaucoup plus humbles que celui dans lequel je me trouvais juste avant. Il se trouve au pied d'une colline et c'est calme ici. Et ça, c'est vachement important, en tout cas pour moi. Quel bonheur de retrouver un peu de paix, de calme. Ouh là là! Ah non, j'ai donné là les escaliers aujourd'hui. Hein. Ah, de toute façon, j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille. Fuck. Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, il y a énormément de mouches qui me tournent autour. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai transpiré comme un gorille ce matin
et que je commence un peu à schlinguer, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ah bah oui, hein. J'espère que c'est pas pour ça, parce que c'est un peu la honte. Hein. Waouh. Ah oui, ça me plaît, ça. Ah ouais. Vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est agréable! Comme je vous l'ai déjà dit, je me considère plutôt comme quelqu'un d'agnostique. Mais je dois avouer quand même qu'il y a certains endroits qui, comment dire ça, qui donnent une impression de sacré. Je ne saurais pas le dire mieux que ça. Par exemple, la grotte que je viens de visiter à l'instant. Quand on arrive à l'intérieur, ce silence, cette quiétude, ces grands volumes, parce que le plafond de la grotte est quand même assez haut. Je ne sais pas si on s'en rendra compte en vidéo, mais la cavité est vraiment importante. Ce grand Bouddha et ces statues qui vous attendent là, je ne sais pas, il y a quand même... quand même quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste des statues posées dans une grotte, c'est un peu plus que ça. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment c'était super. Vous voyez, hein, le temple d'avant était nettement plus fastueux, décoré, impressionnant. Mais finalement, c'est ici que je me sens le mieux. Voilà, hein, comme quoi. Hein. Je comptais finir ma journée de visite avec un parc forestier situé pas très loin d'où je me trouve. Mais là, ah, ouais, là le genou... Là, je suis claqué, là, j'ai plus dû. Hein. J'ai vu ce que j'avais envie de voir aujourd'hui. C'était vraiment une super journée. Très fatigante, mais excellente journée. Décrassage obligatoire dès que j'arrive. Hein. Ah ouais, là, c'est pas possible. Hein. Bye bye! Oh, regardez tous les oiseaux qu'il y a là! Oh, super! Mais non, les gars, restez! Oh! Je vais monter dans ma chambre, prendre une énorme douche. Oh, mais celle-là, elle va faire trop du bien! Et puis, je sais même pas si je vais faire du montage ce soir, tellement éclaté. Demain, je quitte Nakhon-Sawan. Je sais dans quelle direction je me rends, mais je ne sais pas exactement où je vais m'arrêter. Je verrai ça en cours de route. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.